Ça aurait dû le tuer. Ouais. Ça l'a pas tué. Non. Sans Wonder Woman, plus rien ne l'empêche de reprendre des forces et de revenir. Et alors, ce sera la fin. Ou pas. Ou pas. Quelque chose à dire, Boomerang ? Oui. C'est... Les conséquences de la corruption. Je veux dire, c'est... les conséquences de la corruption. Ont transformé Superman jusque dans son ADN. Je suis sûr qu'elles ont transformé Superman jusque dans son ADN. Ouais, dans ses os et tout. Les mêmes changements ont dû affecter le reste de la Ligue. La même chose est probablement arrivée au reste de la Ligue, non ? Si j'avais un échantillon vivant, votre Batman, par exemple. Si on pouvait choper genre Batman, mais encore vivant. Je pourrais créer de quoi tuer Superman. On pourrait tuer Superman avec un truc. Il vous suffirait de m'amener la chauve-souris. Amenez-moi la chauve-souris. Quoi ? Non, ça va pas, on va pas faire ça. Madame, vous allez pas croire ces conneries. D'accord. Alors expliquez-moi comment vous espérez trouver et exfiltrer l'homme le plus dangereux de cette planète. Je sais pas. En général, c'est lui qui vous trouve. Vous savez, comme la fois où il nous a démontés avant de choper Flash. Il est probablement enterré dans une de ses Batcaves. Si c'est quelque part sous terre, je peux la trouver. Oh, mais Harley et ses amis devront m'aider. Même si vous trouvez la planque de Batman, vous n'entrerez pas sans sa signature biométrique. Ou la Batmobile. Jeune Batmobile. Attendez. J'ai dit que j'avais une Batmobile. Depuis quand? Là-haut, G.I. Joe. La plus belle pièce de génie mécanique que je n'ai pas inventée. Madame? Vous avez vos ordres, Task Force X. On suit le plan de Boomerang. Que Dieu nous aide. Ouais. Trouvez la Batcave. Attrapez Batman. Ramenez-le au hall de justice. Vivant. Bien là, Aisley. Vous avez du travail, Gizmo et toi. Si tu me vois reparler un de ces trucs, Sharky, tue-moi. Je le ferai. C'est quoi? Avec le pingouin, on a fini de casser tout le pouvoir de mes attributions dans vos petites grenades. Ah, on n'en fait plus des comme ça. Faut dire, c'est interdit par la loi. Vous pouvez maintenant répandre des toxines même quand Daphné et mes assistantes ne sont pas là. Ne vous en privez pas. Vous avez le plan de Boomerang. Au boulot. Je me fous du reste. Votre confrontation avec Superman? Waouh! On est dans la merde. Vous croyez pas que... Si, forcément. Il faut mettre la main sur ce truc. Je décolle. Brainiac, nous subissons de sérieuses pertes. Lanterne laisse ses émotions le ralentir. J'étais sûr de pouvoir convaincre, assimiler Diana. J'aurais aimé qu'elle puisse voir ce que nous allons faire de ce monde. Bombise, Shark.
mort, chers spectateurs. Quelle journée atroce et tragique. Superman contre Wonder Woman. Notre propre gouvernement a failli nous rayer de la carte avec un missile. Daphne ne peut pas pousser tant que toutes ces brutes saccagent le sol. Les tanks ? À ton avis. On doit détruire ses défenses afin que la déesse des plans puisse travailler. Thank you.
peur. Quoi de mieux qu'une plante qui se défend brutalement, hein? Rien, c'est ça. La fée des fleurs! Qu'est-ce que t'as foutu là en bas? Quand j'aurai Brignac sous la main, il va payer. Je vais l'empoisonner pour le brûler de l'intérieur. Ma puce, on va avoir besoin que tu te concentres sur la recherche de la Batcave. Aide-nous et on fera en sorte que Brignac laisse tes racines tranquilles. Promis? Je le jure. Sur nos têtes, à tous les quatre. Mes plantes ont trouvé plusieurs grottes artificielles dans Métropolis, mais seules quelques-unes correspondent à ce que Hack recherche. Est-ce que je peux détruire toutes les autres? Peut-être plus tard, fillette. Pour l'instant, on a besoin d'un plan. Gizmo, où est notre foutu Batmobile? J'arrive! Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un rêve de gosse, pas vrai? La gerbie était impressionnée. Tu nous as menti. C'est vrai, c'est juste une gerbie. Qui sait ce qu'elle pense vraiment? Tu nous as promis une Batmobile, pas une caca-mobile. Caca-mobile? Cette merveille possède tous les gadgets WebTech et un masquage multiscanner. Du point de vue de toutes les inventions de Monsieur Bruce Wayne, ce chef-d'œuvre est bel et bien la Batmobile. Pas moyen que j'entre dans un de ces engins. Les gens comme vous ne peuvent pas l'utiliser, de toute façon. Je vous retrouve aux endroits que la plante a trouvés. Vous me protégez des ennemis, je fais quelques recherches numériques pour voir de quoi il en retourne. Et le tour est joué. Je n'ai pas de tour à jouer. Est-ce que... quelqu'un a un tour? Ah, c'est tout pour moi. Jusqu'à l'exténuation, ces génies, en ce lieu d'érudition. T'en fais pas, Quinn. Je vais y aller en douceur avec ton cerveau. Ton cerveau. Tué? Désolée, je
je faisais plusieurs trucs à la fois. Je ne sais pas ce qui nous attend. Superman et Batman sont tout ce qu'il reste de la Justice League et presque personne, semble-t-il, ne peut les affronter. Citoyens, restez chez vous ou mettez-vous à l'abri. Wonder Woman est morte pour que nous puissions survivre. Honorons-la. Et demain, nous continuerons tous à nous battre. Autant qu'il le faudra. Ok, c'est la fin du match et j'en ai ma claque de cette blague. Sérieux, Gizmo, t'as rendu cette blague chiante. Scanner la Batcave pour qu'on devienne une grosse cible ennemie. Deux pour le prix d'un. La troisième, c'est la bonne. Vaudrait mieux d'ailleurs, parce qu'on va être à court de jus. Enfin, quand je dis jus, je pourrais dire... Oh, cher Bill. Va sur Queen. Descendre la vie jusqu'à Batman, laisserait sa patte.
soin en prenant l'énergie du réacteur pour alimenter le gadget WingTech. Attendez, il a bien dit réacteur? Ils ont établi tension dangereusement élevée et ça ronronne comme au premier jour. Oh merde! Il a dit oh merde. Je savais que je pouvais vous faire entrer! Bon, tout le monde est prêt? À entrer dans la cave ou à se battre contre Batman? Aucun des deux me branche vraiment, mon pote. Je ne crains pas la mort, aussi horrible et certaine soit-elle. On peut pas battre Bat Boy en termes de matos, Deadshot. Il a le meilleur équipement, c'est son truc. Ça et l'obsession pour les chauves-souris. Bat Boy vit pas dans un clocher comme toute chauve-souris qui se respecte. C'est pas les clochers qui manquent à Gotham. Je sais même pas à quoi ça sert, un clocher. Je pionce, moi, à la messe. Y a un bat ascenseur juste ici, les gars. Me faites pas attendre. Un peu claustro, hein, Floyd? Hein? Non, je... Je me prépare à éliminer Batman. Je suis sûr que ça ne se passera pas aussi mal que notre première rencontre. Je sais pas. Il nous a pas tués la dernière fois. Il le ferait pour de vrai, cette fois, pas vrai? Pas si on tire avant. En tout cas, c'est mon plan. Shark, donne-moi un animal qui aime la lumière. Les requins. Je vois notre cible. Il ne se doute de rien. Quelle est notre stratégie? On défonce la porte et on lui tire dessus. Deadshot? Ouais, comme elle dit. Si tu vois ce message, ça veut dire que j'ai été compromis. J'aurais voulu te dire au revoir, Tim. Mais malgré tout, je suis fier de te compter parmi mes amis, avec Nightwing et Oracle, bien sûr. Je pourrais pas regarder Batman pleurer. Si cet hologramme s'active, ça signifie que moi, et sans doute toute la Justice League, sommes hors de contrôle. C'est là qu'il dit qu'il a un plan. Les protocoles de Babel sont activés. J'ai développé en secret des contre-mesures afin de supprimer ce qu'il reste de la Ligue. J'ai commencé par la Yellow Lantern récupérée après notre combat contre le corps de Sinestro. Green Lantern dit que leurs anneaux sont alimentés par la volonté du porteur. Étonnamment, j'ai découvert... Ça, c'est déjà fait! Oh.
augmenté la puissance de la batterie. Mais ce n'était qu'un début. J'ai... Dis-nous ton point faible, Bad Boy. J'ai jamais entendu mon petit Bruce parler autant de toute ma vie. Les graphismes sont vraiment sympas. Oh, oh, stop! C'est la partie où il parle de tuer Flash! Ah, c'était plus amusant, en vrai. Qu'est-ce que tu cherches, Harley? Moi, il n'y a pas d'appareil anti-Batman. Oh, zut! Ça valait le coup de tenter. Robin est venu. Je pense qu'il a perdu. Batman a eu Robin? Alors, fatigué de jouer les babysitters? Fais équipe avec Nightwing, Oracle, et si tu peux le trouver, Jason. Tu ne devras compter que sur toi et sur toutes tes années d'entraînement spécialisé. Oh oh. Sur ta discipline et ta loyauté envers ton équipe. Piaou, piaou, piaou. Oh, on vit un moment d'émotion, du con. Personne ne peut s'en sortir seul. L'équipe que tu mènes, la famille que tu choisis, ensemble, vous êtes redoutables. C'est ce que toi-même tu m'auras appris, mon garçon. Ne craque pas, Shark. Sharky, mais tu chiales, là? J'ai une relation compliquée avec mon père. Bienvenue au club, mec. Pareil pour jamais moi, connu Sharky. Le mien. Bon, Superman. Il est notre ami, mais il est aussi sans aucun doute l'être le plus dangereux que cette planète ait connu. Si vous voulez avoir une chance de votre côté de pouvoir le vaincre... Bienvenue dans la vraie expérience Batman. Les gars! Sharky! Deadshot! Harley! Batman a encore grillé notre matos! Ah, tricheur! Je suis censé faire quoi sans vitesse pure, moi, hein? Les gars, Batou nous a gazé avec une toxine de terreur. Son but, c'est de nous faire flipper grave. On n'y arrivera pas si on n'est pas... tous ensemble, vous allez devoir me faire confiance. Vous allez m'aider à mélanger la toxine et à inonder cette foutue tanière. Je sais ce que vous pensez, mais faites-moi confiance. Silence radio. Batou nous écoute. Harley, terminé. Mélanger le gaz? Faut pas l'arrêter? C'est une blague ou quoi? C'est bien ça, et je suis le dindon de la farce. Mais je vais le faire quand même.
Qui se rappellera de toi? Tu n'es personne. Et puis si je pars, et que les autres restent, ils meurent. C'est pas ça le dilemme du prisonnier. Et si tu restes, tout le monde meurt. C'est bien vu. Ah, ça peut pas marcher comme ça. Ah, je déteste ces expériences psychologiques. Thank you.
J'ai battu plus gros que toi, Shark. Si mes amis font une overdose de toxines, alors moi aussi, je ferai une overdose de... De maison hantée. Il cherche à me déconcentrer. Là, tout de suite, ils sont réels et pas toi. Donc ouais, je suis avec eux. Deadshot, pas tout est sur toi, comme le fisc sur un compte offshore. Vise-moi cette aération. Ok, super. D'abord par à gauche, puis à droite. J'espère pour toi que ça va marcher, Queen. Batman, va te faire la peau. Tu leur as bien mérité, papa. Zed, allez! On parle pas de mon boulot. C'est même pas une vraie conversation. Mélanger la toxine et à inonder cette foutue tanière. Je sais ce que vous pensez, mais faites-moi confiance. Silence radio. Batou nous écoute. Harley, terminé. Super. Tout misé C'est toi, Arline? Chérie, va falloir travailler ton relationnel avec les patients.
Il ne t'entend pas, Quinzel. Merde, merde. Tour de rire, Quinzel. Eh ben, quelqu'un va bien se faire dégonfler son ego. J'espère que ce sera pas moi. Votre confiance en Harley Quinn vous a mené droit dans mon piège. Brainiac m'a demandé de ne pas abîmer vos corps. Il n'a rien dit concernant votre esprit. Tu pensais vraiment que je m'attendais pas à ce qu'on se retrouve? Il m'a fallu des années à Arkham pour comprendre les délires de l'épouvantail. Mais j'ai mérité mon diplôme de neurochimie avec les honneurs. Tu es peut-être insensible à ta propre toxine de peur, mais certainement pas à la mienne. C'est impossible. Bienvenue dans ton pire cauchemar, Bat Boy. Feu à volonté, les gars. Il est juste là. Ouais. C'est un putain de démon géant. À présent, craignez Batman. Vous n'avez pas le niveau. Je prendrai plaisir à vous tuer. Arkham. Je vous avais prévenu. Brainiac vous a laissé arriver jusqu'ici. Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir débarrassé le monde des criminels. Les criminels, la peur vous rend prévisible. Votre défaite ne suffit pas. Je vous détruirai.
bien contente que ça ait marché. On avait une chance sur deux de survivre à ce gaz. Ce gros couillon respire encore. Attends, tu essayais de le tuer ? Lex Luthor veut Batman vivant. Ah ouais, bien joué, Harley. Peu importe, beau travail, les gars. Maintenant, écoutez. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est le coincer dans une sorte de piège mortel compliqué. Quoi ? Hein, crois-moi, c'est du vécu. Ok. Boomerang, appelle Lex. Mais qu'est-ce que tu fous ? Encore Boomerang ? Quoi ? Je croyais qu'on allait tenter le grand chelem. Non ? D'accord. Salut, Lexi. On a Batman. Bon, et maintenant ? Excellent. Amenez-le-moi, LexCorp. Et comment on fait ça ? Alors ? Il va nous faire payer le taxi ! J'ai toujours voulu faire ça. Allons-y. La batte chaussure sur l'autre batte pied, pas vrai? Pas vrai, bateau? Oh, il est vraiment lourd! Non, personne ne m'aide! Tu prévois vraiment de le porter jusqu'à LexCorp? Je vais me gêner, tiens. T'aurais pas pu nous parler de ce truc il y a deux minutes, non? Pardon. Plutôt le cloporte noir. Vous avez pigé? Il est tout petit. Oui, on a compris. Ok, le dernier Alex Corp est une chauve-souris. On balance Bad Boy jusqu'à Alex Corp. Interdiction de le tuer avant d'être arrivé. Voler ma technologie armée, comme c'est banal. Tes trucs de pom-pom-cœur ne marcheront pas sur Brainiac. Dire que vous allez passer vos dernières heures à fermer l'arbin pour Waller. Quand il s'agit d'éliminer des super crétins à qui on a lavé le cerveau, tout le monde est d'accord, Bruce. Personnellement, c'est le plus grand succès de ma carrière. Au moins, je ne suis pas en cage. Il faut savoir ce que tu veux. Tu devrais avoir honte d'utiliser mes créations. Mais Luthor, ça veut dire que l'info vient d'un autre Luthor. Et il se sert de vous.